Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Madame de Lourdes, je viens vous dire merci pour mon fils qui a suivi hier une intervention chirurgicale. Et cela s'est bien passé. Sainte Vierge Marie, s'il vous plaît, continuez à le protéger. J'ai confiance en vous, notre Dame de Lourdes. Merci. Notre Dame de Lourdes, je vous prie de prier pour mon petit-fils. Aidez-le dans ses difficultés de famille en ce moment. Donnez-lui la lumière dont il a besoin. Merci, Notre Dame. S'il vous plaît, pour confier à Notre Dame une personne qui a été opérée d'une tumeur au cerveau qui ne va pas bien. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, méditons les mystères glorieux du rosaire en cette 56e journée mondiale de prière pour les vocations. Renoncer au mariage par amour de Jésus, à l'argent par esprit de pauvreté, à la disposition de soi-même par esprit de service, n'est pas un choix de fanatique. Un père jésuite disait que sans le radicalisme évangélique, la vocation sacerdotale semblerait aussi exorbitante et anormale qu'une expédition chez les papous. Le radicalisme évangélique, frères et sœurs, Dieu ne demande pas de renoncer à la vie, il invite à donner tout pour la vie. C'est à cela que nous sommes tous appelés. Premier mystère glorieux, la résurrection. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Paul et Barnabé encourageaient les convertis d'Antioche à rester attachés à la grâce de Dieu. Prions pour les baptisés de la nuit de Pâques, pour tous ceux qui, par l'engagement de leur vie, témoignent de la joie du ressuscité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ô Marie conçue sans péché. Deuxième mystère glorieux, l'ascension. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La vocation est une invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage avec les filets à la main, dit le pape François, mais à suivre Jésus au long de la route qu'il a pensée pour nous. Prions pour les séminaristes, les novices, tous ceux qui s'apprêtent à engager leur vie à la suite de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ô Marie conçue sans péché. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Le Père vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Les Juifs d'Antioche, jaloux du succès de Paul et de Barnabé, les expulsèrent de leur territoire. Prions pour tous ceux qui confessent courageusement que la pierre méprisée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Prions pour les chrétiens persécutés et pour les persécuteurs au cœur égaré.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ô Marie conçue sans péché. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption. Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. L'appel du Seigneur, dit le pape François, n'est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté. C'est au contraire l'initiative amoureuse avec laquelle Dieu vient à notre rencontre. Prions pour les prêtres qui endurent solitude, sécheresse, fatigue. Que Jésus soit pour eux le bon pasteur qui guide avec tendresse et amour sur les chemins de la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ô Marie conçue sans péché. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. La mission de Marie n'a pas été facile. Son oui a été le oui de celle qui veut s'engager et risquer. Prions les uns pour les autres, pour que, comme Marie, nous sachions accueillir avec un cœur ouvert la voix du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, un mot revient souvent chez ceux qui ont vécu aux côtés de saint Jean-Paul II, la prière. Le pape priait beaucoup et avec ferveur. Au cours de ses voyages ou visites pastorales, par exemple, quand il entrait dans une église bondée et bruyante, il se rendait devant le Saint-Sacrement et là il priait avec une telle intensité que le silence peu à peu s'imposait. Un jour, comme sa prière se prolongeait, un de ses collaborateurs s'approcha pour lui rappeler l'horaire à respecter. Le pape lui répondit « La prière est plus importante que la ponctualité. » Frères et sœurs, la primauté de la prière, Carol Wojtyla l'avait apprise de son père, avec qui il se trouva seul lorsqu'à l'âge de 9 ans, il perdit sa maman. Il m'arrivait de me réveiller la nuit, dit-il, et de trouver mon père à genoux, en train de prier. Cet exemple fut pour le jeune Carole une sorte de séminaire domestique. Frères et sœurs, en ce quatrième dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur, l'Église invite à prier pour les vocations. La prière est indispensable pour que le cœur des jeunes s'ouvre à l'écoute du bon pasteur. Saint Augustin écrit que par les prières de sa mère Sainte Monique, Dieu lui avait accordé l'intention de ne rien préférer, de ne rien vouloir, de ne rien penser, de ne rien aimer d'autre qu'atteindre la vérité. Dans le prolongement du synode d'octobre dernier dédié aux jeunes, puis de la célébration des 34e journée mondiale de la jeunesse au Panama, le pape François invite les jeunes au courage de risquer pour la promesse de Dieu. C'est le titre de son message. Un courage fortement motivé par la certitude qu'aucun obstacle ne peut empêcher la réalisation du projet universel de salut voulu par Dieu. Benoît XVI, s'adressant à 22 jeunes qu'il s'apprêtait à ordonner prêtres, y voyait un motif de réconfort constant, même dans les difficultés, et d'espérance inébranlable. Le courage qui peut aller jusqu'à risquer sa vie pour Dieu s'enracine dans la certitude d'être toujours protégé par lui, comme le berger protège son troupeau. « Personne n'arrachera les brebis de ma main », dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Quand Michel-Ange représenta la création de l'homme, il peignit deux mains allant à la rencontre l'une de l'autre, celle de Dieu et celle d'Adam. En la personne de Jésus, Dieu s'est tellement rapproché de nous que sa main créatrice est devenue une main d'homme. Elle a purifié le lépreux, guéri de la fièvre la belle-mère de Pierre, rendu la vie à la fille de Jaïr,
délivré de son handicap le sourd bègue, ainsi que l'enfant sourd-muet, dessillé les yeux de l'aveugle. Consolante indéfectibilité de l'amour de Dieu que ne désespèrent ni nos lâchetés, ni nos infidélités. Les Juifs qui, en l'anniversaire de la dédicace du Temple, se rendaient à Jérusalem, en doutaient. Ils refusaient de croire aux œuvres de Jésus, s'obstinaient à ne pas écouter la voix du berger, refusaient de passer par la porte qui ouvrait sur le bercail. Frères et sœurs, s'engager pour la réalisation du dessein de Dieu, c'est se mettre entre les mains de celui qui crée et qui sauve. C'est se laisser envelopper d'une présence entrée dans le bercail. Frères et sœurs, les jeunes auront le courage de s'engager si nous sommes nous-mêmes habités par une formidable espérance et rayonnant de la joie qu'elle procure. Dieu ne leur demande pas de renoncer à leur vie, il les invite à être généreusement au service de la vie. Le bon berger a donné la sienne pour que nous en vivions. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, n'oublions pas les prêtres âgés, malades, paralysés. Tout éclopé qu'ils soient, le pape François dit être réconforté chaque fois qu'il les visite. Leurs questions sur la vitalité de l'Église, sur les vocations, témoignent que jusqu'à la fin, ils restent pères, préoccupés par ceux pour qui ils ont donné leur vie. À un évêque qui l'interrogeait sur l'attentat dont il fut victime, saint Jean-Paul II confiait qu'il avait senti ce jour-là une main assassine qui cherchait à le tuer, mais aussi une main maternelle qui le sauvait de la mort. Depuis ce moment, disait-il, chaque jour est un cadeau pour moi, et j'ai le devoir de tout faire pour Jésus en serrant la main de Marie. Frères et sœurs, prions la mère et disciples du bon pasteur pour que de bons bergers soient donnés aux brebis que nous sommes. Amen. Prions le Seigneur. Donne-nous de marcher derrière toi, Seigneur, avec confiance et dans la foi. Prends-nous par la main, car ton chemin monte très haut pour nos cœurs vite essoufflés. Ouvre nos oreilles à ta voix et nos cœurs à la vie que tu nous donnes. Accorde-nous de te suivre sur le chemin de l'amour et du service, toi le seul, le vrai berger qui nous conduit jusqu'au Père, Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, ave, ave. Ave, ave, ave Maria. Allez dans la joie et dans la paix du Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.